Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien, que vous avez passé une très belle journée. J'avais envie de faire une petite carte, voilà, style ancien, hein, pour ne pas dire vintage. Donc j'ai préparé un tampon avec les notes de musique. Fatalement, vu que j'ai trouvé plein de partitions, je vais me servir d'un morceau de partition. Donc c'est une carte... Je ne sais pas si c'est 15, pour moi je suis à plus que 15. Non, je devrais être au courant. Non, c'est vraiment la 15-15. J'ai pris un tampon écriture, pas sûr que je l'utilise. Et alors j'ai pris ce petit tampon de chez AliExpress. Voilà. Donc, ce que je vais faire en premier. Ma carte et je vais commencer par la old paper. Old paper. Voilà. Voilà, je vais en mettre sur toute la surface. Et comme son nom l'indique, vieux papier, hein. Voilà. Moi j'aime bien les Distress Oxide. J'ai entendu qu'il y en avait d'autres qui étaient très bien aussi. Mais bon, je commence avec les Distress. Je vais... continuer à en acheter pour avoir allez, une bonne série. Là, vous entendez mon kilo qui va monter prendre sa douche avant d'aller travailler. Voilà, donc ça on peut le mettre de côté et ensuite je vais prendre la tie-dye pour donner une petite différence. Ça se marie assez bien, je trouve. Major! On a la barrière en bas des escaliers. Là, il râle parce qu'on est tous les deux en haut. Alors, je jure qu'on prend du temps pour lui. Pas le chien style abandonné. Pour s'assurer que ça nous fait déjà une petite ambiance. Et alors je vais mettre la Distress Ink Vintage Photo pour le contour, pour bien le marquer. Quand on promène majeur, c'est trop chou. Faut vraiment pas prendre de jouer avec lui. S'amuse avec la nature. Bon, on le lâche. Ouais, c'est lui que vous entendez. C'est parce qu'il entend ma voix. Major, je suis occupée dans la scrap. Tu t'inquiètes pas, on t'a pas abandonné. Et il y a un oiseau qui rentre dans son champ de vision. Hop, il accourt. Et il s'est courir derrière sans donner un cœur joie. Il n'a pas encore compris que lui ne s'envolera pas. Hein, ça viendra avec le temps. Donc voilà, ça fait vraiment une page bien vieillie. Il n'a pas l'habitude de m'entendre discuter quand je suis en haut. Donc il se demande ce qui se passe. Donc pas besoin de prendre de jouets, ils trouvent tout sur place. Donc ça c'est pour la carte, donc je vais juste donner un petit coup de propre
faut bien regarder dans quel sens on la met, hein, parce que... my god, j'ai déjà pu faire une bêtise. Alors, on va la mettre ici. Voilà. Je vais prendre mes notes de musique, la partition. Je vais bien la centrer. Hop. Et pour ça, je vais prendre la VersaFine Vintage Sepia. En oublier. Oh, mais pas d'encre. Comment ça devenir vieux? Le problème, c'est que de chez moi, je n'ai rien du tout. Quoique, je me demande si à Jean, je ne trouverai pas. Comment ça s'appelle? Un Créa Corner. Sinon, je vais aller à Bruxelles. Soit j'ai créé corner, soit j'ai... je l'ai peur. Et encore un chouïa par là. Donc ça c'est ici. Je vais en remettre un petit coup. Voilà. Pas là, hein. Bah, c'est que le tampon est fait comme ça. Donc, je nettoie mon tampon, ça va prendre un peu plus de temps, donc j'en vous reprends tout de suite. Donc, ça c'est pour le fond de page. Comme dirait, il est parfait comme ça. On va, bon, on va quand même mettre un peu de boulot là-dessus. Donc, où t'es-je, Michel, il est là. Vous voyez, va un peu trancher, pas des masses, mais un peu trancher. Je crois que c'est les notes les plus fines que j'ai. Par contre, ça peut fouiller tout de suite. Ça, c'est des grands livres. Ouais, j'ai pas vraiment plus petit. Non, celui-là pas plus. Non. Donc, je vais rester avec ça. Un sacrilège. Je vais tout garder. Après, je vais voir. Je vais trouver une pochette pour mettre mes petits bouts de page. Bon, on va quand même le vieillir autour. Juste par principe. Je vais le faire doucement. Je ne vais pas en mettre de trop. Vraiment pour dire ici les bords déchirés. Donner un petit effet de brûlure, de brûler à certains endroits. Corac a oublié son alarme de voiture. Ou alors on essaie de piquer une voiture, il n'y a plus personne qui s'inquiète. Ces alarmes se déclenchent avec le vent, donc pour finir, les gens ne s'inquiètent plus. D'accord. Donc ça c'est bien. Ensuite,
suite, comme dirait notre Sylvie Coltoupartout, qui nous a fait une vidéo géniale où elle nous fait notre petite Miss Prout Prout. Quelqu'un qui a lancé une pétition pour reprendre, retrouver notre Sylvie naturelle. J'ai dit, je vais signer tout de suite. Et puis Sylvie, comme dit le dicton, chasser le naturel, il revient au galop. Donc ne te fatigue pas, reste comme tu es, nous on t'aime comme ça. Et pour les autres, tant pis dommage. Voilà, voilà, voilà. Alors, on va coller ce petit morceau. Alors, ce sont la plupart, c'est des opéras. Celui-là, en tout cas, c'est un opéra. Et donc on a des morceaux de phrases en français. Donc voilà pour le moment. Alors j'avais envie fatalement, puisque c'est de l'époque, de mettre... je vais couper un morceau. Après je vais le déchirer, c'est pas coupé, c'est pas excessivement grave. Voilà, on reprend. La petite presse. Ah non, je vais d'abord le mater. Donc ça je fais, vous avez vu comment j'ai fait, je vais le faire hors caméra sinon c'est trop long. Donc voilà, moi je l'ai maté comme ça, donc j'ai pas voulu faire quelque chose de très très propre, mais juste des ombres. J'ai utilisé la tea-dye, donc de la Distress Oxide. Voilà. Au mois de septembre, il y a le salon Creativa qui revient à Citadelle de Namur, donc pour toutes les Belges, il est super ce salon. N'hésitez pas. Je vais me reprendre des distress. Je vais passer un petit coup de téléphone à Ravenu. À Ravenu, c'est là où j'achète tous mes articles. Et comme elle est sur les salons, ben, je vais lui demander de ramener au salon certaines choses. Alors, qu'est-ce que j'avais pris? J'avais pris celui-là ou celui-là? Non, j'avais pris celui-là. Donc, je vais changer. Voilà. Et je prends donc la distress, je vais prendre des sparkles. Mais c'est bien de lui téléphoner avant, comme ça elle a le temps de commander les articles que vous avez besoin. Comme elle revient de vacances le 19 août, je vais faire ma petite liste et j'appellerai après. Oui. Je nettoie, hein, j'arrive. Donc voilà. Le petit tamponnage. Donc maintenant je vais un petit peu le réduire. Voilà. Grossièrement autour. J'aime bien abîmer les bords. Pourtant, quand vous retrouvez des vieilles photos, c'est pas spécialement abîmé, mais dans le scrap, c'est une technique que j'aime bien. Voilà. Je vous rassure, c'est pas Major qui aboie, hein. C'est les chiens de la ferme en face.
comme ils sont en groupe. Il y en a un qui commence, les autres suivent. J'ai des bruits de la campagne, ma petite dame. Enfin, moi, j'aime bien. Ça ne m'a jamais, jamais, jamais dérangé. Bon, je peux comprendre que c'est dérangeant pour les personnes qui veulent dormir tôt et qui n'arrivent pas à dormir à cause de ça. Mais mon perso, voilà. J'aime bien. Comme j'aime bien écouter les cloches sonner et les chiens répondre. On va repasser un petit coup quand même sur les bords, hein, sinon ça fait négliger. Enlever le blanc. Voilà. Je suis en vidéo. Je me cache. Tu te caches. Il est déjà. Ah non, mon cœur. J'ai rendez-vous à 22h. À 22h, ta pente. Alors, ce que je vais faire, je vais en mettre un petit coup. Juste pour foncer le papier. Parce que j'ai envie de mettre la petite image en 3D. Et qu'on n'ait pas cette coupure, pas cette coupure, cette différence avec le blanc. Voilà. C'est fait. Oui, donc là, je ne vous ai pas dit, Vintage Photo de la Distress Inc. Alors, ce petit outil-là, pour celles qui ne connaissent pas, c'est de chez Tim Holtz et je pense que ça s'appelle un déstresseur. C'est vraiment pratique, j'aime bien. Avant, j'utilisais que mes ciseaux et là, voilà. On dirait que ce n'est pas l'outil indispensable pour le scrap. Mais, c'est sympa. Donc, après, le tout est de savoir où je vais la mettre. Parce que je voudrais bien quand même qu'on voit. Ouais. Alors, je vais prendre mon rouleau 3D. Je regarde si je ne dois pas aller retourner chez Action en trouver un, mais non. Je n'aurai pas d'excuses pour faire des folies comme aujourd'hui. Voilà, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors après, on pourrait peut-être y rajouter de la dentelle, je ne sais pas. Parfois, il ne faut pas en faire de trop. Donc, je vais regarder ce que j'ai. Je vais aller essayer quelque chose qui fonctionne avec ça ou pas. Moi, j'aime bien aussi quand c'est pas trop chargé. Parce qu'on peut mettre de la dentelle, on peut mettre des perles, on peut mettre des fleurs, on peut mettre plein de choses. Mais à voir si ça ne va pas nous faire quelque chose de trop chargé. Je vais chercher, on voit ça. Bon, on va essayer ensemble, hein, de toute façon. Il n'y a jamais rien de perdu, on peut recommencer si c'est pas joli. Alors je vais tester cette colle textile, colle tissu. Il paraît que ça marche bien. Oula, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Utilisons nos doigts. Pourquoi pas? Ça sort bien. Il va falloir que je retrouve un
un petit flacon de précision. Je crois que j'en ai encore un ou deux. Mais par contre, ça donne pas mal. Mais ça ne peut pas rester ainsi. On va couper le bout de dentelle. Alors la dentelle, hein, je me dis, j'ai trouvé chez Tonton Alibaba. Et ses 40 voleurs. Voilà. Donc, à voir quand ça sèche. Ma première vue. Ça donne bien, c'est beaucoup mieux que la colle chaude. Et si ça tient, ah oui, ça a l'air de bien tenir. Oh, pourquoi j'ai pas acheté ça plus tôt? Mais pourquoi? Parfois on se pose des questions, franchement. On se dit, je me suis cassé la tête un nombre incalculable de fois pour mettre cette dentelle de manière jolie sans voir les, allez, les défauts avec la colle chaude. Et là. C'est impeccable, trop bien. Bon, je vais essayer de trouver des petits trucs pour rajouter. Maintenant que j'ai fait ça, je ne peux pas le laisser uniquement comme ça, on est d'accord. Hein? Bon, j'arrive. Alors, pour rester dans le blanc immaculé, j'ai sorti mes petites fleurs en résine. Enfin, j'ai sorti, je vais essayer de les sortir. Essayez de me résister. Alors, j'ai sorti une petite fleur en dentelle. Des arômes que je peux insérer par ici. Voilà, ça pourrait bien donner. Alors, ça j'avais trouvé, je pense, c'était des petites pinces à linge avec... des petits cœurs comme ça. Bon, la pince à linge. Hop, je prends que le nœud avec le petit cœur. Et des petites fleurs. Bon, ça peut être joli comme ça. Faut enfiler ce temps tendresse. Allons-y. Alors, du coup. Peut-être l'ouvrir, c'est mieux. Du coup, on va mettre la petite fleur en dentelle. Oh, il n'y a plus rien qui veut sortir. Ou ça sort pas, ou ça sort beaucoup. Donc là, il va falloir que je gère ça un peu mieux. Voilà, comme ça, c'est sur tous les bords. Il y en a partout. Est-ce que tissu sur tissu, ça prend un peu plus difficilement. Tissu sur papier, impeccable. Bon, on va lui laisser le temps de prendre. Les arômes. Je vais faire chauffer mon pistolet à colle. Puisque je sais où je veux les mettre. Et alors, les petites fleurs blanches. Ouais. Je vais mettre comme ça. Le nœud, je trouve qu'il est prêt à aller ici. Je cause toute seule. Et les armes. Non, le nœud, je ne suis pas convaincue. Donc, il faut bien que je mette quelque chose maintenant. Ah, mais j'ai ça. J'ai ça qui peut être très joli. Et ça.
Voilà, donc je vais le faire comme ça. Donc voilà ce que ça va donner. Hop, je vous le présente. Donc je vais mettre le petit cœur en toute petite paire. Enfin, le petit cœur, le nœud papillon, les arômes. Là, j'ai mis les petites fleurs et je vais mettre le nœud papillon. Comme ça, j'ai l'ensemble ici. Et peut-être bien des petites... Mais si ça ne me plaît pas, je les enlève. Des petites perles dorées comme ça. C'est pas vilain. Faut pas que ça tombe. Ça, je peux monter jusqu'au-dessus. Ça donne un peu de brillance. Voilà ce que ça donne. Je vais tenir ça. Oui, mais le nœud ne va pas tenir pour faire plaisir. Donc voilà ce que ça donne. J'attends que mon pistolet soit chaud. Je le colle. Vous avez l'idée générale de la carte. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Que ça vous aura donné des idées. Pourquoi pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.